Bon. Georges ? Alors, Antoine Vitez, vous voyez, on dit qu'il ne sourit pas. Déjà, il sourit. Ah oui, mais je sais pas pourquoi on dit qu'il ne sourit pas. Ah, vous avez une réputation, oui. Oui. C'est comme la tradition, c'est des réputations. Voilà, donc vous êtes un homme souriant, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire... Je ne suis pas un homme très souriant. Je crois que je ne souris pas beaucoup à l'écran. Voilà. Mais dans votre cœur, vous êtes plutôt gay, c'est ça que vous voulez dire? Assez, oui. Bon, alors Georges, allons-y. Oui, alors moi je voudrais quand même que très vite nous fassions un parcours du combattant un peu, c'est-à-dire celui d'un sociétaire type, Roland Bertin, oui. Et ça nous amènera à quelques questions. Et Michel Strudovici a suivi du matin au soir Roland Bertin à son travail. Et vous allez voir, c'est quelque chose. 9h45, Roland Bertin commence son marathon. Une heure d'essayage de costumes pour fin de partie, une pièce de Samuel Beckett qu'il joue en octobre. Une vraie plongée dans son rôle. On n'est pas là pour papoter. Parce que en même temps qu'on essaie, quelque part aussi on rêve un peu. On s'imagine avec déjà le personnage. C'est du travail. 11h, travail et détente mêlée. Au foyer du public, première rencontre entre la troupe de la Comédie Française et son nouvel administrateur, Antoine Vitez. 13h15, dans sa loge, Roland Bertin se prépare pour jouer Chrysale dans Les Femmes Savantes de Molière, un de ses multiples rôles de l'année. Cette multiplicité des personnages, une démarche chérie par les comédiens du français. Mesdames, messieurs, bonsoir. 18h, foyer des artistes, juste le temps de se changer. Roland Bertin rencontre un journaliste japonais du Asahi. La Comédie Française part pour Tokyo et Séoul en septembre. 19h45, nouvelle étape dans la loge pour un nouveau rôle, celui de Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme. Je sais bien que c'est un théâtre où les gens sont censés avoir une bonne technique, mais enfin la technique sans le bonheur, sans l'enfance, quoi, qui doit accompagner toujours le jeu, c'est pas très intéressant. 22h10. Tu dépouilles comme un lapin. Changement de costume en moins de 2 minutes, Monsieur Jourdain se transforme en Mamamouchi. Rude journée pour Roland Bertin.